cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes lundi 16 septembre et nous sommes sur le point de partir. On n'est pas hyper en avance, donc là on est dans la pièce dressing en fait. La dressing, ouais. Ouais, qui va bientôt devenir ma chambre, normalement mercredi. J'ai hâte, donc là on va partir à l'école. Et puis moi après j'ai toute une liste de tâches à faire. J'ai tout listé pour penser à tout faire. Oui, t'es prêt, allez on y va. Et puis comme ça, normalement, ce matin, je vous tourne. On tourne. Du coup, bah c'est bon, on est prêt, enfin presque, parce qu'il y en a qui préfèrent lire des BD plutôt que... Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ça fait deux fois que je te reprends, ça me fait pas rire, comme tu te mets en retard, là. Comme dès qu'il a du temps libre, il prend une BD, il se pose. Peu importe s'il est prêt, s'il est pas prêt, s'il y a des choses à faire, non. Lui, il a rien à faire, il estime qu'il a rien à faire, donc il se pose. Et là encore, il est pas concentré sur ce qu'il fait, il lit sa BD. Est-ce que je suis obligée d'aller à l'école? Je me plaignais quand Anaïs était petite parce qu'elle n'aimait pas lire et je trouvais ça tellement dommage. Mais bah alors avec Com, c'est pas le cas, hein, parce qu'alors lui, il se nourrit de livres, lui. C'est différent. Je n'ai pas le droit. Il a le droit de faire quoi? Il a pas le droit. Tu me la donnes, je vais la garder. Merci. Et le chiffon de passe à moi. Non. Tu me la donnes. Tu as l'air motivé, ça va. Nous, à défaut du vélo elliptique, je fais du sport. Les gars ont oublié leur sac de piscine, faut que je retourne à la maison. Hop, hop, hop. Bon, ça va, je suis large. Il est 9h-10, ils partent qu'à 9h10. Et j'en ai pour 5 minutes à aller à l'école. Donc tout va bien, je me suis speedée pour rien. Bon bah du coup, les gars étaient en stress encore parce que comme ils ont fait les devoirs vendredi, bah du coup ce matin, ils n'ont pas pensé, si on les... Enfin, c'est vrai quand on les fait la veille au soir, c'est plus facile parce que du coup, ils préparent tout de suite en fait. Et là, ils se sont certainement dit, bah on préparera ça dimanche. Sauf que du coup, hier, on n'a pas préparé. Donc ils se sont retrouvés ce matin sans le sac de piscine. Donc bon. Le principal, c'est qu'ils puissent y aller. Ils vont être contents, là, toute la matinée. En plus, ils y vont ensemble. Donc, pour Adam, c'est plus rassurant. Donc, c'est chouette. Je suis contente. Bon, il est midi et quart. J'ai bien bossé. En fait, je m'attendais à ce que la chambre des enfants soit rangée. Et hier, quand j'y suis allée, il faisait noir. Donc, j'ai pas forcément vraiment regardé. J'avais vu que c'était le bordel sur le palier et que j'avais le palier à ranger. Mais j'avais pas vu l'état de la chambre, en fait. Enfin, si... L'état de la chambre, j'avais vu, je m'étais dit, bon, ok, il y a des petits trucs qui traînent par terre, ça va. Mais j'avais pas regardé le bureau d'Elsa. Donc, eh ben, je me suis occupée de tout ça ce matin. Donc, ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais, mais au moins, c'est fait. Du coup, là, j'ai plus qu'à aller laver les sols là-haut et j'ai terminé. Il faut que je lance une lessive aussi. Et puis, je vais faire mon début d'après-midi le bas. J'en ai pas pour très longtemps. Je pense qu'en une demi-heure, ça va être réglé. Et puis, bah, après, je vais retourner le home tour. Je vais le monter, le mettre en ligne. Et puis voilà. Mais là, pour l'instant, je pars emmener Anaïs. Holo. Bon, dans la catégorie journée de merde, après avoir couru ce matin pour les sacs de piscine des enfants, je me retrouve à couvrir cet après-midi parce qu'Anaïs a plié ses ciseaux. Donc, voilà, comment perdre une heure? 2 fois 20 minutes de route. Juste le temps que je vais passer sur place à lui déposer ses affaires, bah, j'aurais tué une heure. C'est génial. Bref, bah c'est parti. Bon, il est 15h. D'ailleurs, il est bientôt 16h. Mais oui, il est 16h-10. Et j'ai fini tout ce que j'avais à faire. J'ai fait tout le ménage de la maison, j'ai tourné le home tour, je suis en train d'ailleurs de... Je l'ai monté là, et je suis en train de le mettre en ligne. Bon, il est 19h10, je vais bientôt partir chercher Anaïs. Bonjour. Bonjour les gens. Les enfants sont à table. Alors moi je mange pas, parce que sinon Anaïs va se retrouver toute seule pour manger. Attends. Je suis à table avec les enfants parce que voilà, j'aime pas qu'ils soient tout seuls pour manger, mais du coup moi je mange pas maintenant. Je vais aller avec maman chercher Anaïs. Bah oui. C'est trop gentil, ta maîtresse. Par contre moi le chauffeur, moi ma maîtresse, je l'ai pas.
Bon, bah pourtant, elle est très gentille. J'ai discuté avec elle ce soir, du coup, avec la maîtresse d'Adam, parce que, en fait, on a rendez-vous chez le pédiatre mercredi pour Adam. J'avais expliqué, hein, puisque j'arrive pas à avoir un rendez-vous avec un neuropédiatre. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec un pédiatre simple. Et donc, on y va mercredi. Et j'ai demandé à la maîtresse, en fait, de me produire un petit résumé, en fait, de me faire un petit résumé du profil d'Adam à l'école, en fait, puisque moi, à l'école, je sais pas comment il est. Hein. Elle me dit qu'il tient parfaitement bien assis à table, alors que... Enfin, à table... à sa table à l'école, alors que moi il a du mal à rester à table à la maison. Mais bon, après c'est aussi l'excitation de la journée, faut que t'as du mal à rester à table le soir, tu t'arrêtes pas de te lever, t'es tout le temps agité. Mais comme elle me dit, il y a un moment dans la journée où il faut qu'il bouge aussi, donc vu qu'à l'école il peut pas trop. Maman, je vais pas parler de Léo. C'est pas grave. Je vais parler de Léo. Ben on parlera de Léo une autre fois. Et du coup, on a discuté un petit peu et elle m'a dit que c'était très bien que j'ai pris rendez-vous chez le pédiatre. Et puis, elle m'a dit que commencer par là, déjà, c'était bien. Et elle me disait que peut-être, par rapport à notre contexte familial, c'était bien qu'on fasse une consultation psy, au moins pour faire un bilan. Et moi, je ne suis pas du tout opposée, bien au contraire. Et du coup, j'ai appelé une psy qui est pas loin de chez nous. Tu vas voir tout ça? Oui. Ça m'étonnerait. Bah, tu auras intérêt. J'ai appelé et en fait, elle m'a rappelé pour me dire qu'il n'y avait pas de place avant le 9 octobre et que pour l'instant, à partir du 9 octobre, elle ne sait pas encore comment elle va organiser son planning parce que je ne sais pas. Elle a autre chose à rajouter à son agenda qu'elle n'a pas aujourd'hui. Donc, elle va se réorganiser et elle me rappelle. Non, donc, après le 9 octobre, moi, ça me va. Mais du coup, elle me rappellera. Maman, comme il a dit qu'en fait, sa maîtresse, elle était chiante. Je peux pas lui dire du tout, menteur. Elle est hyper gentille, ta maîtresse. Mais oui, j'adore. Donc voilà, pour... Oui, ta maîtresse aussi, elle est très gentille. J'ai dit ça parce que... Donc du coup, là, on va pas tarder à aller chercher Anaïs. Quand on va rentrer, je vais mettre les enfants au lit. Anaïs et moi, on va manger. Et puis, j'hallucine parce qu'ils sont rentrés depuis 16h30. Et c'est encore le bordel partout. Voilà, ils ont pris le goûter, il reste le Nutella sur la table, ils sont rentrés. Voilà. J'ai demandé 3 fois à Marceau de ramasser ses affaires. C'est ça donc, la veste et les chaussures, ce sont ses affaires. Bon là j'ai le sac de piscine à vider et le pull de com à monter parce que il l'a porté toute la journée. Mais dans la salle, en fait, ils m'ont déjà refoutu le bordel. Voilà. Donc ils vont ranger avant d'aller se coucher. Vous auriez vu l'état de la chambre il y a 20 minutes, enfin il y a plus de 20 minutes, il y a une demi-heure. Du coup n'importe quoi. Donc ça m'énerve en fait. Coucou les gens. Je fais le ménage et eux ils rentrent et il n'y a plus rien. Donc j'en ai profité pour faire mes comptes. J'ai inscrit les enfants à la pairie. Du coup finalement ils vont y aller matin, soir, plus la cantine. Ça va faire lourd, mais bon, le soir, ils vont aller au McDo, donc je pense que ça va être vite oublié. Puis après ça, ils voient le papa, donc je pense qu'ils vont être contents. Parce qu'en fait, moi, je voudrais partir de Chemillé. En fait, j'ai pas envie d'aller jusqu'à Angers en voiture, déjà pour les frais d'essence. Et puis aussi parce que là-bas, je saurais pas où garer ma voiture pendant 3 jours, sans me la faire retirer ou même... dégradé ou je sais pas, hein, mais en tout cas j'ai pas confiance. Donc du coup je prendrai le train à Chemillé, comme ça je laisse ma voiture devant chez ma copine Perrine et je vais à la gare à pied, ou à moins que je la laisse près de la gare, mais non, j'aime pas trop prendre la gare à Chemillé. Je vais la laisser chez Perrine, je vais aller à la gare à pied prendre mon train. Et le dimanche, en fait, je n'ai pas je n'ai pas de billet pour revenir jusqu'à Chemillé parce que en fait il fallait que j'attende 1 heure à Angers et clairement j'ai pas envie de perdre du temps à Angers alors que mes enfants ont envie de fêter mon anniversaire avec moi. Du coup je vais rentrer à Angers et Eric en fait va prendre ma voiture et va venir me chercher à Angers pour que je puisse rentrer plus tôt. Donc c'est gentil de sa part. Bon évidemment je lui fais pas payer le carburant, il va venir avec ma voiture et de toute façon il aura les enfants donc il n'aura pas le choix. Donc en fait il va récupérer ma voiture à Chemillé, donc il va venir me chercher à Angers, je vais le ramener à Chemillé pour qu'il récupère sa voiture, je rentre chez moi, il rentre chez lui et voilà.
c'est réglé. Donc bah là il va falloir que je parte. J'aimerais bien qu'ils se terminent de manger. Enfin, qu'ils terminent de manger parce que ils sont hyper excités ce soir. C'est une catastrophe. Bon, je vais retourner là-bas parce que je crois que c'est la débandade. Bon les amis, je suis désolée. Donc, comme vous le voyez, je ne suis plus habillée pareil parce que nous ne sommes plus le même jour. nous sommes aujourd'hui mardi et il est déjà midi, moins 5. Je clôture uniquement maintenant parce qu'hier soir, en fait, j'étais très fatiguée. Je m'endormais dans le canapé, du coup, je suis allée me coucher et j'ai absolument pas pensé à vlogger avant de me coucher. Voilà. Donc, du coup, je n'avais pas fait la clôture, donc je la fais maintenant. Hier, ça a été une journée de folie, encore. J'ai fait beaucoup de choses. Par contre, je suis très fière de moi parce que j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que hier soir, la soirée, c'était un peu la course. Donc, voilà, on est rentré, on a fait le goûter, les leçons, le repas. On a été chercher Anaïs, on a couché les enfants. J'ai mangé avec Anaïs. Et bah là, j'ai eu un gros coup de barre, en fait. Donc, à 9h30, j'ai eu un coup de barre. Et je pense que, en fait, les deux dernières semaines, enfin, ça fait un peu plus maintenant, mais où j'étais pas bien, j'avais beaucoup de mal à dormir. Et du coup, je pense que j'ai accumulé un manque de sommeil un peu trop important. Et là, maintenant que je vais mieux, en fait, et que je dors mieux, j'ai le contre-coup. Et du coup, j'ai l'impression d'être épuisée. C'est horrible parce que je dois reprendre un rythme professionnel là dans les prochaines semaines. Donc, j'espère que ça va pas être trop dur. Mais en tout cas... Ouais, je me suis couchée et j'ai dormi. Jusqu'à ce matin, j'ai fait une très bonne nuit, ça m'a fait du bien. Mais du coup, hier soir, j'ai pas clôturé. Voilà. Donc, je vais clôturer maintenant et je vais également ouvrir le nouveau vlog puisque je ne l'ai pas non plus ouvert ce matin. J'expliquerai pourquoi dans l'ouverture. Et en tout cas, pour celui-ci, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je pense qu'il sera en ligne assez tard parce que là, nous n'avons qu'une heure pour manger avec Anaïs. Même pas une heure, là il va nous rester une demi-heure. Et je la ramène ensuite pour son BSR. Moi je vais rentrer à la maison, du coup faire le montage et la mise en ligne si j'en ai le temps. Et il faut qu'à 15h je retourne à l'auto-école puisque je dois être présente sur sa dernière heure de BSR en fait. Donc ce soir elle sera diplômée du BSR. Ouais, c'est pas sûr encore. Bah il va pas te rajouter une demi-journée. Bah non, mais c'est pas sûr qu'il me le donne. Bah si, il t'a payé pour l'avoir. Hein, donc. Donc du coup, ouais, Anaïs, elle se sent pas du tout à l'aise sur le scooter, c'est exact. C'est pas que je me sens pas à l'aise. Je suis un danger. Clairement, non, mais c'est dangereux. Bah oui, mais après, c'est à toi de faire attention. Bah j'essaie. Bon, c'est un apprentissage. Hein. Donc du coup, bah je la ramène au BSR, je reste avec... Enfin, je la ramène, je reviens, je fais ce que j'ai à faire. Ensuite, je retourne, je passe l'heure avec elle. Elle reste surchemillée, moi je reviens chercher les petits à l'école. Et ensuite, ce soir, elle va voir son scooter avec son ami Antonin. Du coup, ils vont aller voir le scooter qu'elle a repéré sur le Bon Coin, qui semble, d'après son ami Antonin, être une très bonne affaire. Donc, lui, il est mécano, hein, donc il s'y connaît mieux que moi. Donc, c'est lui qui va l'accompagner pour aller le voir. Et puis, si effectivement elle le prend, elle l'aura jeudi. Voilà, donc on ira le chercher jeudi soir quand elle rentrera de l'école. Et puis, comme ça, dès vendredi matin, vendredi après-midi, elle partira travailler avec son scooter pour le week-end, puisque moi, je pars vendredi matin. Voilà, donc en tout cas, ça lui fait bizarre. Bon, sur ce, je vais vous laisser, parce que du coup, on n'a pas beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Donc... je vais ouvrir dans la foulée le nouveau vlog et puis celui-ci, vous l'aurez en ligne aujourd'hui et l'autre le sera ce soir. Normalement demain matin. Ouais, je vais peut-être essayer de le faire ce soir parce que demain matin, il y a le mec de la fibre qui vient. Alléluia. Ouais, comme tu dis, alléluia. Donc bon, on verra comment on va gérer demain. Mais effectivement, ce vlog-là, je vais le monter et le charger ce soir. Comme ça, demain matin, j'aurai juste à le passer en public et j'aurai rien à faire en la présence de ce monsieur. Donc, je pense qu'on va gérer comme ça. Voilà. Bon, sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que cette journée avec nous vous a plu. C'était un peu la course, mais voilà, le rythme de la reprise, c'est toujours comme ça. Donc,
Ça va être un peu le rythme des prochains vlogs. Je vous souhaite une bonne journée, les amis. Je vous dis à très bientôt.